Ça va Florian? Ça va et toi? Ça va toujours. Donc on va procéder à un examen blanc du permis de conduire. Donc je vais te donner les consignes. Déjà, je vais te demander de t'installer. Et quand tu as fini de t'installer, que ton installation est terminée, tu me dis bah, que ton installation est terminée et que tu es prêt, tout simplement. C'est bon, tu es bien installé. Ok, on va partir en circulation. On va être amené à circuler en et hors agglomération. Je te demande d'adapter ton allure aux limitations de vitesse, donc si possible. D'accord? Tu seras amené donc à circuler en et hors agglomération. Tu seras évalué sur une manœuvre qui te sera demandée le moment venu, un arrêt de précision, par exemple un stop. Okay, il y aura une vérification intérieure ou extérieure et une question en lien avec la sécurité routière. Je te demande de faire preuve de courtoisie lorsque c'est possible ou nécessaire, d'avoir une conduite économique et respectueuse de l'environnement. Et tu seras également évalué sur une conduite en autonomie d'environ 5 minutes. Si à un moment il y a quelque chose que je te dis qui ne te paraît pas clair, n'hésite pas à me faire répéter, y compris pour les directions. Ok, C'est bon? c'est bon. Donc dès que tu es prêt, on va pouvoir y aller. Donc on partira sur la gauche. Intersection, nous ferons demi-tour. Suivra la direction de Parçay-Meslay. Est-ce qu'il avait un clignotant? On va tout droit.
détendre. On ira à droite.
de sortie au giratoire. À la prochaine. Là. Une fois de plus, on ira à gauche. On s'arrêtera un petit peu après la voiture bleue. Comment derrière ils peuvent comprendre qu'on va s'arrêter ? On va faire un rangement en bataille en marche arrière dans la place qui se trouve à côté de la voiture bleue, dans la place qu'il y avait avant en fait quand on est arrivé. Okay. En gérant la sécurité, en prenant son temps, ni pendant ni à la fin de la manœuvre, on se retrouve collé à un véhicule. Est-ce que je peux juste m'avancer un petit peu plus? Ah oui, si tu veux, c'est toi qui fais la manœuvre. Ce qui se passe autour.
contrôler ce qui se passe autour. Pas l'impression qu'on est proche de la voiture. Alors pourquoi on continue à s'en rapprocher? Non, on reprend l'embrayage. Pourquoi on continue à s'en rapprocher là depuis tout à l'heure? Il n'y a pas assez d'espace à gauche? Si. D'accord. Donc on corrige correctement. On regarde quoi là? Tu regardes quoi? Qu'est-ce qu'il y a à voir ici? Non mais on essaye de pas laisser la voiture bouger sans le vouloir. Est-ce qu'on est droit? C'est ça la question. Non. D'accord, on essaye de se mettre droit, c'est possible, peut-être? Non mais fais-le en avançant, parce que depuis tout à l'heure, t'es pas capable de le faire en reculant. Est-ce que tes roues sont droites? Oui. T'as l'impression que ça va droit là? Point mort, frein à main. Les deux derniers chiffres. Les deux derniers chiffres du totaliseur kilométrique, s'il te plaît. Citer trois manières d'évaluer l'état de conscience d'une victime. Vérifier son. Lui parler. Trois manières de savoir là si elle est consciente. Non, c'est pas ça la question en fait. 30. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de position à l'avant et à l'arrière du véhicule.
Ok, par temps clair, à quelle distance doivent-ils être visibles? Je peux répéter, s'il vous plaît. Par temps clair, à quelle distance doivent-ils être visibles? 30 mètres, je crois. Non. Quels sont les risques pour une personne en perte de connaissance qui est allongée sur le dos? Ok, on est reparti sur la gauche. Il cherche une clope. On ira à droite à la prochaine. Au giratoire, on ira à gauche.
comme si on rentrait dans le centre d'examen. Et on s'arrête. Ok. Tu laisses tout. Ok, on va se faire le débrief de l'examen blanc. Déjà, on part d'ici. Ok. Avant de démarrer, il faut que tu t'assures que tout le monde est bien attaché. D'accord. On check l'environnement en regardant à gauche et à droite. Et après, on démarre. Ok. Ensuite, on part d'ici, c'est plutôt bien, on adapte l'allure, on arrive au stop, là il n'y a pas de souci, tu t'arrêtes bien, tu laisses passer la voiture avant de redémarrer. Jusque-là, pas de souci. Au giratoire, je te fais faire demi-tour, là la gestion elle est plutôt bien, tu contrôles bien l'angle mort, tu te replaces à droite. On adapte l'allure, bon, à peine assez à mon goût entre les deux giratoires, je pense qu'on peut monter à 60-70 sans problème. Et on suit la direction de Parsemélé. Et là, en fait, dans le giratoire, il y a quelqu'un qui est ni voie de gauche, ni voie de droite. Il est au milieu, mais il n'a pas de clignotant. Et là, on jette un coup d'œil et on s'engage. Puis bah, moi, je freine parce que moi, je vois qu'il ne sort pas. Hein. Et il n'a pas de clignotant placé comme il est. Considère qu'il ne sort pas. Hein. Okay. Et tu vois, tu t'arrêtes, il sort, personne ne te le reprochera. Il sort. Tu t'arrêtes. Ah, oui, oui. Lui, il sort. Il n'a pas de clignotant. Personne ne va te le reprocher. Mmh. À l'inverse, là, ça, c'est fini. Hein. Mmh. L'inspecteur, il freine parce qu'on va taper une voiture parce que toi, tu n'as pas regardé. Compliqué. Hein. On repart. Donc, on suit la direction de Parsemélé. Pardon. On suit la direction de Parsemélé, là il n'y a pas de souci, on va tout droit au giratoire. On continue, on arrive dans Parsemélé. Donc là, l'adaptation de l'allure avant le giratoire, avant la sortie, l'entrée d'agglo et avant le giratoire, elle est bien. Tu ralentis bien, tu fais bien les choses, on va à droite au giratoire. Jusque-là, c'est bien géré, on gère les rétrécissements, la priorité à droite. On vient s'arrêter au stop, un petit peu trop en avant du stop, mais ça reste raisonnable. On gère bien le démarrage en côte, en venant chercher la visibilité à gauche et à droite avant de s'engager. Bien géré. À chaque rétrécissement où tu dois te déporter vers la gauche, il faut mettre le clignotant. Il n'y a pas de question à se poser. Il y a des moments où tu ne l'as pas mis. Bah, c'est dommage. Il faut le mettre. Okay, on arrive au céder le passage. Moi, je te demande d'aller à droite. On gère bien la trajectoire. On adapte bien l'allure. Là, on passe le virage, puis ben là, on reste à 50, on est hors agglomération. Alors, je suis d'accord, entre les deux virages, monter à 80. Alors, on n'est pas resté à 50, on était à 60. J'ai regardé, on était à un bon 60. Voilà, 70 entre les virages, on monte un peu, on lâche l'accélérateur, on laisse décélérer. Ensuite, ben, on se place à 50. Quand il y a la limitation à 30, on revient à 30. On vient s'arrêter au stop, on va tout droit. Ça, c'est très bien géré. On sort de l'agglo. Bon, ça manque un peu d'élan, mais ça reste raisonnable. Je dis rien, hein, je te laisse faire. Ensuite, on a le panneau de giratoire. On a la limitation à 70. Tu ralentis bien, tu décélères bien, tu gères le giratoire tranquillement. Pas de souci. On continue tout droit. Bon, là, c'est pareil. Une fois qu'on passe tous les rétrécissements, on a une limitation à 70. On y monte même pas. Mais ça reste raisonnable. Ensuite, on a la limitation à 50. On gère bien la passée sur le pont là, avec les rétrécissements, avec les espèces de trucs en béton à gauche et à droite. Au giratoire, il y a une camionnette qui arrive. Oh, une petite une pour repartir tranquillement plutôt que de... Et on va à droite. Bon, là, c'est bien géré. Tous les giratoires, ils sont plutôt bien gérés. On continue. Et là, je te demande de prendre la deuxième sortie. Ouais. Et tu prends la troisième. Mais tu le fais... Hein ? J'ai pris la troisième. Ouais. Mais tu le fais correctement. En fait, tu as la sortie base aérienne 705, Chartres. Et puis, tu as la sortie qui est en face. Quoi. Okay. Mais c'est la troisième. Bon.
en soi, à partir du moment où tu le fais correctement, on s'en fout, va au mauvais endroit, mais vas-y bien. Du coup, pardon, je te demande d'aller à droite. On va à droite. Ensuite, on arrive au CD le passage, tu check bien, on continue, on reprend. Là, on arrive sur la priorité à droite. Bon, tu la détectes un peu tard, mais tu la détectes quand même. On va à gauche ensuite. Bon, on s'arrête. Alors qu'il n'y a personne. On est prioritaire des gens de gauche. On s'arrête. Puis après, on vient chercher petit à petit. Je te dis juste, bon, il n'y a personne. On peut laisser glisser la voiture doucement. Bon, c'est pas grave. On va à gauche à nouveau. Là, c'est bien géré. Et je te demande de t'arrêter pour faire la manœuvre. Et je te demande comment les gens derrière ils peuvent savoir qu'on va s'arrêter. Ouais. Ensuite, on commence la manœuvre. Bon, tu me demandes si tu peux ravancer. Tu fais ce que tu veux, c'est ta manœuvre. Tu as envie de ravancer, tu ravances. Tu as envie de reculer, tu recules. C'est toi qui gères la manœuvre. Et je te donne une consigne. On va faire le rangement en bataille, en gérant la sécurité, en prenant son temps. Ni avant, non, ni pendant, ni à la fin de la manœuvre, on se retrouve collé au véhicule. Je le précise. Et là, tu commences ta manœuvre, et qu'est-ce que tu regardes? Tu regardes quoi? Non, non, ça, c'est pas à ce moment-là. Mais pendant ta manœuvre, tu regardes où? Derrière. Ouais, tu regardes surtout. À côté, ouais. Tu regardes surtout la voiture. Tu regardes quoi d'autre? Bah, rien. La voiture, elle va où? Elle va nulle part. Non, mais toi, quand tu conduis, la voiture, elle va où? Elle va là où on regarde. Ah, voilà. Et à ton avis, pendant la manœuvre, la voiture, elle va où? Bah, vers la voiture, du coup. Elle va où tu regardes. Donc, si tu regardes que la voiture, tu vas aller où? Bah, vers la voiture. T'as compris l'idée? Mais moi, je te laisse galérer exprès. Hein. Je te laisse galérer parce que c'est pas pour t'emmerder. Hein. C'est parce que je te mets le nez dedans. Et une fois que t'as le nez dedans, je peux te faire capter pourquoi c'est merdique. Et là, en fait, t'es focus que sur la voiture. Alors que, honnêtement, tu finis à 1m50 de la voiture. On te reproche quoi? Au pire, l'inspecteur, il va se foutre un peu de ta gueule, il va te dire, bon, j'aurais aimé être un peu plus proche. Sorti de ça. Tu crois qu'il va t'ajourner pour ça? Bah non. Mais, je te laisse faire, jusqu'au bout. Et là, en fait, tu avances et tu la regardes. Et qu'est-ce qu'on fait? On tourne le volant à droite, et on va vers où? Vers la voiture. Puis, bah, au bout d'un moment, je freine. Je te dis, vous trouvez pas qu'on est un peu proche, là? Et ma consigne, c'est ni pendant, ni à la fin de la manœuvre, on se retrouve collé au véhicule. Mais pourquoi on fait ça? Parce qu'à aucun moment, on regarde autre chose que le véhicule. Alors que si tu avais regardé devant, déjà, tu aurais réussi à redresser plus tôt. D'accord? Et tu regardes ton volant et tu te dis, il est comme ça, donc les branches sont droites, donc les roues droites. On est d'accord? Ça, les roues sont droites. Du coup, bah, les roues sont droites. Ah non. Là, les roues sont droites. Ouais. Les roues sont droites. Ouais. Donc, à quoi ça sert de le regarder lui? Parce qu'en fait, tu sais pas où elles sont placées, les roues. T'as un tour et demi de braquage à braquage. T'as trois tours de braquage à braquage. Donc, t'as trois positions comme ça. Hein. Et t'en as une tournée à gauche, une droite, une tournée à droite. Donc on est d'accord que c'est pas possible. Message, je fais un cut. Donc on est d'accord que c'est pas possible de savoir si les roues sont droites en regardant le volant. Et en fait, là, tu as regardé le volant et la voiture. À aucun moment tu as regardé le reste. Et même pendant la voiture, la manœuvre, je te dis, faites attention à ce qui se passe autour de vous. Mais ta manœuvre, pendant que tu l'as fait, il n'y a pas que la voiture qu'il faut regarder. Bon, ensuite, on finalise la manœuvre tant bien que mal.
On passe au vérif. Donc, contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de position. Donc, pour allumer les feux de position, c'est ici. Regarde. Vas-y, appuie dessus. Là. Ouais. Alors, feu de croisement automatique. Vas-y, rappuie. Feu de position. D'accord. Donc là, les feux de position, ils sont allumés. On va descendre et on va regarder. État, propreté et fonctionnement. Ils sont où les feux de position? Montre-moi sur celui-là. Celui-là. Ouais. Donc les feux de position, ils sont comment? L'état. Bah, les feux sont bien. D'accord. Ils sont en bon état donc. La propreté. La propreté de la lumière ou du. Mais on s'en fout. Bah, c'est dégueulasse. Non, c'est propre. Bon, bah voilà. Et le fonctionnement? Bah, il fonctionne. D'accord. Donc ils sont. Fais-moi une phrase. Bah, ils sont. En bon état. En bon état. Ils sont propres et ils fonctionnent. Les feux de position, c'est les seuls feux qui se trouvent et à l'avant et à l'arrière. Donc le feu de position à l'arrière. Bon, on fait le deuxième, mais moi je veux pas montrer la plaque. Bah, ils fonctionnent, ils sont propres. Et État, propreté, fonctionnement. Et bah, l'état, c'est bon. D'accord. Oui, 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 ta gueule. Hop. Non, non, remets pas ta ceinture. Il n'y en a pas besoin pour le moment. Il y en aura besoin, mais pas tout de suite. Ensuite, à quelle distance il doit être visible par temps clair? C'est 150 mètres. Bah, en fait, oui. Mais après, tu le sais pas, on s'en fout. Les états de, l'état de conscience d'une victime, ben, on peut voir si elle répond qu'on lui parle, si elle bouge quand on la secoue. D'accord? Ou si elle peut. Ou si elle répond pas du tout, quoi. C'est ça les trois. Les trois... C'est que je l'ai fait, mais je ne me rappelle plus. Les trois états de conscience. Donc, on repart. Donc là, on fait le gauche-droite. Là, il n'y a pas de souci. On tourne à droite, pas de problème. Au giratoire, on va à gauche, pas de souci. Bon. Sur une voie à double sens, on n'accélère pas quand on se fait dépasser. Quand tu es à sens unique, quand il y a deux voies affectées à ton sens de circulation, il n'y a pas de danger, il n'y a personne qui va arriver en face. Quoi. Donc tu peux accélérer en fait dans ce cas-là. Quand maintenant, on double. Ouais. Bah, les deux voies sont affectées à ton sens de circulation. Il ne faut pas gêner le dépassement. Mais voilà. Bon, bref. Ensuite, on rentre au centre d'examen, pas de souci. Je te dirais que tu enlèves. Le giratoire et la manœuvre, son souci, tu l'as. D'accord? Le giratoire, fais attention. Souvent, tu regardes 20 mètres avant le giratoire et tu ne regardes pas avant de rentrer. Et la situation, elle peut évoluer. Et si tu as un doute, il n'y a pas de doute. Hein. Tu ne sais pas s'il sort ou il sort pas. Il sort pas. Hein. Adapte plus l'allure. Vaut mieux arriver. C'est qu'en fait, pour moi... Écoute-moi jusqu'au bout. Vaut mieux arriver à être prêt à t'arrêter que d'arriver un peu plus fort et mettre un gros coup de patin à la fin. Oui, mais c'est sûr. Mais pour toi, il sortait, mais il sortait pas. Il n'y a pas de clignotant. Non, mais c'est que je le voyais de... En fait, je pensais qu'il arrivait... Enfin, je pensais qu'il était à l'intérieur du rond-point. Je pensais qu'il allait... Non, c'est juste qu'il a mal géré sa trajectoire et il était au milieu de la voie, c'est tout. Mais considère que s'il n'y a pas de clignotant, il sort pas. D'accord? Ensuite, la manœuvre, c'est à quel moment tu peux réellement prendre ton temps pendant l'examen. À quel moment tu peux t'arrêter et te dire qu'est-ce que je ferai? Bah, aucun. Aucun. Bah, pendant la manœuvre, tu ne peux pas rester à l'arrêt pendant 10 secondes et te demander qu'est-ce que je peux faire pour arranger ma situation. Ça, je sais pas, parce qu'en vrai, je dirais oui, parce que ah bah on oui. Peut pas faire de bêtises, mais non, parce que sinon, après, s'il y a des gens qui arrivent, bah, à la limite, s'ils arrivent, t'es à l'arrêt, soit ils peuvent passer, soit ils attendent.
Mais est-ce que ça crée un danger à ce moment-là? Non. Non. La manœuvre, c'est le seul moment où tu as réellement le temps de te poser des questions. Et des fois, il vaut mieux perdre 10-15 secondes à se les poser plutôt que d'agir et d'empirer la situation. Tu es capable de faire les choses. Le seul truc, c'est que pendant la manœuvre, tu t'es mis à paniquer et te dire « Je fais quoi ? Bon, bah faut que je fasse quelque chose. » Et à aucun moment, tu t'as pris le temps de te poser la question « Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la situation ?» Parce que la situation, elle était simple. Hein. Oui, enfin, oui. La situation, elle était très simple. Hein. Tu étais collé à la voiture, il fallait t'en écarter. Ouais. C'est tout. Hein. Mmh. C'était la seule problématique. Hein. Et puis en fait, là, tu étais figé sur la voiture. Je fais quoi ? Bon, bah, j'avance. Ah, ouais, mais ça se rapproche. Et à aucun moment, tu t'es dit, bah, faut que je tourne dans l'autre sens, quoi. Il a fallu qu'au bout d'un moment, je freine pour te dire, vous trouvez pas qu'on est proche de la voiture ? Tu vois ? Et c'est dommage, parce que clairement, tu as le potentiel pour que ça passe, hein, et que ça passe bien. Hein. C'est pas. Je veux dire, on fait abstraction une minute du giratoire et de la manœuvre. L'examen en soi, c'est un examen où tu as 26-27 points sans problème, hein, sans difficulté. Mais il y a deux moments où tu te speed et c'est deux moments où c'est la merde. D'accord ? Donc maintenant, on va essayer de retravailler ça. On va aller se faire la manœuvre, on va aller gérer la problématique de la manœuvre, ok ? De cette manœuvre-là. Et tu vas voir qu'en fait, elle est bidon la manœuvre. Je sais parce que je sais déjà comment on peut préférer. Mais le seul truc, c'est qu'au moment où tu t'es dit, il faut que je corrige ça vite, tout de suite. Non, on respire et on prend 5-10 secondes. On se dit, bon, il faut que je fasse ça. Je regarde l'environnement. Juste ça. Je regarde l'environnement, tu aurais dit, mais il n'y a rien à gauche. Il n'y a rien à gauche. Non, j'étais focus sur la voiture. Ouais, tu regardais que cette voiture. Oui, c'est après, je me suis dit, bah, y avait de la place, du coup, j'aurais pu attendre avant de tourner pour être sûr. Ouais, ou même une fois que t'es dedans, que t'es trop proche, t'aurais pu te dire bon bah je me ravance, je m'écarte. Et même, je vais te dire un truc, t'étais en biais, tu serrais, tu mettais le point mort le frein à main, tu finissais la voiture, t'étais un peu proche, hein, mais ça restait raisonnable. C'est quand t'as ravancé que c'est devenu la merde. Non, je crois que j'étais quand même proche. L'arrière était proche, l'avant il était raisonnable. Mais en fait, quand t'as avancé, t'as mis la merde. Mais t'aurais fini ta manœuvre comme ça, il disait rien, il disait bon, repars. D'accord ? Bon, on va continuer ça. Ouais. Allez, check. C'était pas mal quand même. Mais tu vois, sans aller dans l'idée de dire bon, c'est bien, il y a des trucs qui sont moins bien, il y a des bons trucs. Le but, c'était de se caler et de se dire voilà, où on en est par rapport à l'examen. Bah, honnêtement, on n'est pas loin. Maintenant, il va falloir vraiment qu'on check un peu plus les giratoires avant de rentrer, puis qu'on aille peaufiner les manœuvres. Mais surtout qu'en plus, les giratoires, je les fais bien en plus. Quand ouais. On les fait... Mais dans l'état d'esprit, après, régulièrement, je t'ai déjà dit plusieurs fois que tu contrôles trop tôt et pas assez. Contrôler tôt, c'est bien. Ouais. Mais en fait, tu restes sur l'idée que tu t'es fait du giratoire et en rentrant, 10 mètres avant, on est comme ça, à être sur son giratoire. Au lieu de rechecker avant d'entrer. Moi, j'étais persuadé qu'il tournait. En fait, je voyais pas la partie. Ah, je t'ai laissé faire. Et en fait, c'est persuadé. Ce qui s'est passé. Hein. 10 mètres avant le giratoire, tu es en train de le regarder. Ouais. Et après, hop, tu dis ça. Et puis, on le regarde plus. Moi, j'étais en train de le regarder. Je me suis dit, il va tourner la tête. Puis, bah, quand je te vois pas tourner la tête, je freine. Hein. Et le but, c'est comme pour la manœuvre, hein. C'est de mettre le nez dedans. Ouais. D'accord ? Donc, on n'est pas loin de ce qu'il faut. Mais maintenant, au moins, on a une base pour travailler sur ce qu'il faut. Ok ? Bah allez, on est reparti.